Donc, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur The Witcher, un jeu qui ça faisait depuis longtemps que j'ai pas joué, puis ben, j'espère que je m'amuserai bien avec vous là, puis tout. Ouais, je sais pas, je crois que je vais couper ça. Après la Grande Guerre, les royaumes nordiques pansèrent leurs plaies durant 5 ans. La Grande Peste et la famine font rage. Les victimes sont innombrables. Quelques unités naines et elfes, réfugiées dans la forêt, survivent encore et se préparent à la bataille finale. Rois et mages ont gâché les fruits de leur victoire par leurs incessantes querelles. Un peu partout dans le monde, les gens se demandent ce que sont devenus les sorceleurs. À Kedwen, au nord des Montagnes Bleues, 1270, 5 ans après la Grande Guerre. Suis-je? Du calme, tout va bien se passer. J'ignore où tu étais. Quoi qu'il en soit, tu es en vie et entouré d'amis. Même si tu as l'air d'en revenant. Je ne me rappelle rien. On se verra plus tard. On arrive à Kaer Morhen. Enfin, Léo, cherche Triss. Votre fin est proche, sorceleur. Profitez-en tant que vous le pouvez. Je le répète sans cesse, pirouette, puis on enchaîne toujours sur parade arrière, toujours. Cela fait à peine 2 jours qu'ils t'ont retrouvé. Grâce à toi, je suis en vie. Merci, Triss. La mémoire te revient? Assez peu, regarde ça, je connais tout. Pirouette, parade, estocade.
rien entre nous. Tu as dû beaucoup compter. Gérald, nous... C'est frais, on est carbon. Hein. Il faut que j'y réfléchisse. Nous en reparlerons. Le temps s'écoule lentement ici. C'est mieux! Pas mal! Faites une pause. Qu'en pensez-vous, Gérald? Il est prêt pour le voyage? Attendez les autres! Il est seul. Le professeur offre 50 or 1 pour chaque dégât. Les émirs, on a de la visite. Je ne connais qu'un peu de visite, hein. Attrapez un athlète d'entraînement. Comment vous sentez-vous? Ça va. Quelqu'un sait qui étaient les assaillants? Des bandits ordinaires n'oseraient pas attaquer Kaer Morhen. Nous le savons, Marigold. Et qu'est-ce que votre foutue magie en dit? Vous verrez le moment venu, Lambert. Assez! Nous devons inspecter tous les passages qu'ils auraient pu prendre. À la route court! En tout cas, ça c'est du power. On a mis ça, ça n'est. Ils essaient d'enfoncer les portes. Sans un bélier, ils n'ont pas la moindre chance. Merde! Qu'est-ce que c'est? Un épouvanteur, une sale bête. Savola, je le connais. Un mage cruel et dévoré d'ambition. Par ici, tenez-vous prêts. Il en arrive encore d'autres dans la haute cour. L'homme aux lunettes, c'est le professeur, un tueur à gages. Il y a de la magie dans l'air. Ils ont un mage avec eux. On n'est pas dans le rue, non? Professeur, vous savez quoi faire? Allez-y. Le professeur est recherché en Redania, Temeria et Kedwen. Une vraie ordure. Je ne reconnais pas le mage. Marigold, je veux seulement savoir si vous vous sentez capable de neutraliser Savola. Le reste, regarde les sorceleurs. Je vais essayer. Ils arrivent. L'épouvanteur est très dangereux. Mais il craint les grands bruits. Les cloches dans la haute cour! Exactement. Eskel, Lambert, vous allez m'aider contre l'épouvanteur et les bandits. Léo, vous restez en arrière. Gérald, ouvrez les portes de la haute cour.
Quand nous y serons, Triss se chargera de Savola et de son animal de compagnie. Et nous, nous prendrons le professeur et le mage inconnu. Je me débrouillerai. Alors c'est dit. Affaiblissez-les un peu avant de battre en retraite. Gérald, suivez le mur et atteignez la tour. Vous y trouverez un passage vers la haute cour. Tout seul ? Il y a quelques bandits avec une demi-célébrité à leur tête. Vous devez ouvrir les portes. Bonne chance, loup. Ça va mal finir. Ça sert à rien. Suivez-moi, rejoignons Savola. Oh.
égorger comme un chien. Essaye slow. Bon sang, Gérald, c'est un miracle de vous voir en vie. Vous auriez pu me prévenir pour les escaliers. Lambert et Eskel étaient supposés les réparer hier. La maçonnerie, c'est pas notre spécialité. Ça ne fait rien. Le professeur et l'autre mage doivent se terrer dans le donjon. Ouvrez les yeux, sorceleur. Ils sont venus vous voler. Triste, mon enfant. Il n'y a rien de valeur ici. De l'acier de qualité, des pelisses de renard blanc... Vous savez bien que je fais allusion au laboratoire. Quelqu'un veut vos fameux mutagènes. Pas de conclusion hâtive. Triss a peut-être vu juste. Nous devons découvrir leurs intentions. Une chose à la fois. Il serait imprudent de négliger un mage puissant qui contrôle un épouvanteur. Ne laissez pas les bandits atteindre le labo. Vous avez raison, une fois de plus. Gérald, vous qui avez connu des mages, tâchez de découvrir ce qu'il veut. Léo vous guidera. Je pars en éclaireur ou... Personne ne vous tiendra rigueur si vous coupez quelques têtes. Mais n'oubliez pas que Léo est avec vous. Je serai à la hauteur. Nous reviendrons dès que nous saurons ce qui se trame à l'intérieur. Emportez ceci au cas où. Buvez l'élixir de tonnerre tout de suite et gardez l'hirondelle pour vous soigner. Je peux vous expliquer ce dont il s'agit. Nous veillerons à ce que personne n'entre. Triss, mon petit... Restez avec nous au cas où Savola fasse encore des siennes. Alors, ça peut être intéressant dans le tour. Ah mais cette fois c'est pas pour son tessin, je ne vais pas perdre. J'espère que ça le perde. Regardez, genre, les autres meurent, c'est tout à fait normal, on se fait attaquer. Ah bah ça dit pas content de rire, c'est tout à fait normal, nous autres on fait marcher. Gérald, attendez! Comment? Il y a peut-être un ennemi puissant à l'intérieur. Buvez l'élixir de tonnerre que Vézénir vous a donné. Ouais, il y a que c'est un peu... Tiens. Lambert me dit que je ne serai jamais aussi rapide qu'un vrai sorceleur. Mais j'ai réussi à le toucher à l'entraînement aujourd'hui. Vous avez battu Lambert ? Nous faisions de l'escrime, quand l'orage a éclaté. Lambert a tourné la tête, j'ai fait une pirouette... Et je l'ai touché au ventre. Il est resté debout et ensuite... Il m'a battu. Vous ferez un excellent escrimeur. À chaque fois que Lambert me bat, il dit que j'ai du potentiel. Donc... Bah moi je vais aussi ici à l'intérieur de... la citadelle. Je vous dis bye bye. Et à la prochaine.